Vendredi 1er février dernier, Meghan Markle s'était rendue dans l'association qui prend en charge des femmes qui cherchaient à sortir de la prostitution. La duchesse de Sussex leur avait alors adressé des messages de soutien, écrits sur des bananes. Un acte qui lui vaut de lourdes critiques, notamment du journaliste Piers Morgan. Souvenez-vous, vendredi 1er février dernier, Meghan Markle était en visite officielle à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. La future maman s'est rendue à One 25, une association caritative qui prend en charge des femmes qui veulent sortir du milieu de la prostitution. Lors de sa visite dans le centre, l'épouse du prince Harry avait préparé les repas de plusieurs femmes, en avait profité pour leur adresser des messages de soutien personnalisés sur des bananes. Avec un marqueur noir et à sa propre initiative, Meghan Markle avait écrit pour chacune des membres de l'association des messages de soutien « Tu es courageuse, tu es forte, tu es spéciale », avait par exemple écrit l'épouse du prince Harry. Un geste qui peut sembler étrange, mais qui s'inspire directement des actions des personnes qui travaillent dans les cantines scolaires aux États-Unis. Les foudres de Piers Morgan. Bien que l'acte de Meghan Markle parte d'une bonne intention, la duchesse de Sussex a essuyé de nombreuses critiques. Si les réseaux sociaux s'en sont pris à la duchesse de Sussex, c'est également le cas de plusieurs journalistes et éditorialistes, dont l'animateur britannique Piers Morgan qui l'a vivement critiqué sur Twitter. Pourquoi est-ce que Meghan Markle signe les bananes de prostituées pour leur donner du courage? C'est l'une des choses les plus étranges et les plus ridicules qu'un membre de la famille royale ait jamais faites, a-t-il posté. Un geste condescendant et le célèbre journaliste en a remis une couche, alors qu'il était invité sur le plateau de Good Morning Britain, lundi 4 février. Pour Piers Morgan, l'acte de Meghan Markle est avant tout condescendant. Selon lui, le fait de donner une banane à une travailleuse du sexe risque clairement d'exposer ces femmes à d'éventuelles moqueries. Visiblement agacé, Piers Morgan a ajouté que la future maman de 37 ans ne se rend pas compte de la gravité de son acte, car elle est trop privilégiée, elle vit dans un palace avec un prince, on ne peut pas faire plus privilégiée qu'elle, a conclu le journaliste. On your own, but